You think you know me. You've heard of it, haven't you? The legend of Sparta? When I was young, my father would tell me stories about it. Long ago, in ancient times, a demon rebelled against his own kind for the sake of the human race. With his sword, he shut the portal to the demonic realm and sealed the evil entities off from our human world. But since he was a demon himself, his power was also trapped on the other side. I never believed it. I thought it was just a child's fairy tale. But I discovered that this so-called legend wasn't a myth at all. Sparta existed. How do I know? Well, I met the sons of Sparta. Both of them. Though the same blood of their father flowed through their veins, the two battled each other fiercely like archenemies. It seemed as if they derived some sort of twisted pleasure from this brotherly fighting. Sorry, not open for business yet. I haven't even picked a name for this joint, and I'm already getting calls. You a customer too? Well, if you want to use the bathroom, help yourself. The toilet's in the back. Is your name Dante, son of Sparta? Where did you hear that? From your brother. He sent this invitation for you. Please accept it. Invitation, huh? Party's getting crazy. Let's rock. Woohoo!
Bonjour à tous et bienvenue pour ce cheminement sur Devil May Cry Special Edition qui fait partie de la collection Devil May Cry HD. Cette collection sortie début 2012 sur PlayStation 3 et Xbox 360. Elle regroupe à la fois Devil May Cry 1, 2 et Devil May Cry 3 en Special Edition. Donc Devil May Cry 3 sorti en mars 2005, c'est-à-dire 4 ans après le 3 et 2-3 ans après le 2. Et suivi un an et demi plus tard à peu près, en septembre 2006, par Devil May Cry 3 Special Edition. Alors, rapidement, sur ce cheminement, je vais vous montrer tout le jeu, avec aucun menu et temps de chargement, je pense que ça vous intéressera pas. Donc vous aurez toutes les cinématiques et les séquences de combat. Les cinématiques, je ne parlerai pas, elles seront, le son sera à fond. En revanche, pendant toutes les scènes de combat, je baisse le son, et je vais vous parler du jeu en général, je vais vous parler de ce que je fais, je vais vous donner des conseils, comment battre les boss, des choses comme ça. Si vous êtes débutant, vous pouvez regarder cette vidéo. Si vous êtes expérimenté, ça vous aidera peut-être un petit peu moins, mais par exemple, si vous voulez revoir le jeu, comment il était, et ben, profitez-en. Vous allez également trouver l'intégralité des orbes bleus et des missions secrètes. Normalement, j'en oublie aucune, j'utilise une Solus. Ce jeu-là, j'ai dû le faire, je l'ai fait très peu de fois, je l'ai quand même fini en Don't Must Die à l'époque. Mais je me souviens pas de tout, je le connais beaucoup moins bien que le premier. Néanmoins, je vais vous apprendre quelques petites ficelles sur le gameplay, quelques faiblesses sur les boss, les ennemis, pour vraiment vous faciliter le jeu. Et donc vous trouverez toutes les orbes bleues et les missions secrètes. Sachant que je ferai également une vidéo à part pour ça. I can already tell. Looks like this is gonna be one hell of a party! Damn it! You guys totally wrecked my shop, and I haven't even named it yet! You're gonna pay for that. Voilà, donc là, comme je vous l'avais dit, on a un changement de mission. Là, on est maintenant à la mission 2, mais je vous épargne les menus. Je vous informerai simplement. Pour ceux que ça intéresse, si vous avez la curiosité, sur chaque mission, vous pouvez regarder les cutscenes, il y a le numéro de la mission écrit quelque part. Parfois, c'est écrit avec les cadavres des ennemis, avec le sang sur les murs. Je vous les dirai pas. Certaines sont très évidentes, d'autres moins. Et bah, avec ces vidéos, vous pourrez les chercher vous-même. Donc, une petite présentation du jeu d'abord en lui-même. Devil May Cry 3 se passe avant le 1. Vous incarnez Dante jeune, donc il doit avoir à peu près une vingtaine d'années. Ça se passe exactement 20 ans avant le premier, puisque son frère est encore là. C'est le gros point de Devil May Cry 3, c'est la présence de Virgil, à la base qui n'était pas jouable et qui devient jouable dans la spéciale édition. A priori, je ne l'ai pas encore fait, mais a priori avec ses propres missions, il a ses propres styles, ses propres armes.
Donc c'est vraiment un personnage à part entière, ce qui ajoute quand même quelque chose de sympa. Et je remercie ceux qui ont fait cette collection HD de l'avoir inclus en spéciale édition et pas en édition normale. Donc Devil May Cry 3, c'est avant le 1. On va avoir le scénario, je vous le raconte pas tout de suite, mais voilà, vous allez avoir Virgil, vous avez Dante, un homme mystérieux qui vient le chercher, il y a des liens avec Sparda. Bon, il y a assez peu de choses en soi sur le background de Devil May Cry, sur Sparda. Bon, vous verrez que en fait on n'apprend pas tant de choses que ça sur Dante, c'est un peu dommage, mais malgré tout il est sympa, il est plus intéressant que le 2 évidemment, il reste quand même moins bon que le 1 en termes de scénario. Vous avez une durée de vie à peu près similaire au 1, donc c'est-à-dire une bonne dizaine d'heures au moins, parce qu'avec les cinématiques et la première fois, c'est vrai qu'il est assez long. Donc voilà, votre premier mini-boss, une faucheuse, rien de spécial. En gros, vous la frappez, au bout d'un moment, elle se protège. Et une fois que vous avez ce choc, là, boum, il faut faire une roulade et vous l'enchaînez derrière. Elle est très facile en mode normal. Néanmoins, si vous esquivez pas ses attaques, vous allez prendre beaucoup de dégâts. Donc, vous regardez simplement comment je fais. Là, je prends un coup, c'est bête, mais vous faites exactement comme je fais. Vous provoquez une petite roulade et ça va tout seul. Honnêtement, sa vie descend très rapidement. Pour cette mission-là, je jouais en mode Gunslinger. On va y venir juste après sur le gameplay en lui-même. It's been nearly a year since we last met. Where does the time go? No doubt, you've got some fun planned for me. Right, Virgil? I come. Well, doesn't it excite you? The Temenegru has revived. The Great One, who once ruled this earth as the medium between the human world and the demon world. Isn't it a magnificent view? The greatest minds of their time, those who revered evil, constructed this glorious edifice. Now, after two millenniums of confinement, it can at last fulfill the purpose for which it was intended. That's none of my concern. Did he have it? Of course. He's taking good care of it. After all, it is the only memento left from the mother you both lost. But he has no idea of its true power.
Come on, wimp! Voilà, donc on démarre la mission 3 sur les chapeaux de roue avec un nouvel ennemi. Donc ce sont des ennemis qui balancent des flèches, ils ne font que ça, donc je vous conseille déjà de les tuer en premier. C'est obligatoire, parce que vraiment ils vont vous faire chier. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, les numéros dans les cutscenes, vous avez dû le voir, les cadavres enflammés qui faisaient un 3. C'est un des plus évidents, vous verrez, il y en a des plus difficiles. Alors, sur Devil May Cry 3, le gameplay. Non, on va parler du gameplay après. Concernant donc le scénario, on en a parlé, moins bon que le 1, meilleur que le 2, pourrait être meilleur que ça. En soi, c'est intéressant de voir la jeunesse de Dante, mais voilà, on aurait voulu en avoir plus. Concernant la bande-son, donc les bruitages et les musiques, on est un petit peu différent du 1, on est dans un style plus rock. Pour ce qui est des bruitages, là on est revenu par contre dans le style du 1. Pas comme le 2 où ils ont carrément repris les bruitages du 1, j'ai regardé récemment, on a des ennemis qui ont exactement les mêmes bruitages que certains ennemis dans le 1. Ici aussi néanmoins ce sera le cas, avec des bruitages assez similaires, mais bon, il y a quand même la petite patte, les ennemis sont différents du 1, les sons sont différents du 1. Donc graphiquement il est meilleur, ça évidemment il est quand même sorti 4 ou 5 ans plus tard, donc là on était vraiment dans les bonnes années de la PlayStation 2, elle était bien exploitée. Donc graphiquement, c'est agréable à regarder, c'est fluide, vous allez le sentir dans le gameplay, c'est vraiment extrêmement fluide comparé au 1. Vous avez beaucoup plus de possibilités, vous avez plus d'éléments affichés, plus d'interactions. Donc vraiment là-dessus, le 3 c'est évidemment le meilleur de cette trilogie. Meilleur graphiquement, meilleur sûrement au niveau du son. Et donc sur le gameplay Devil May Cry 3 change radicalement. On avait le 1 qui était un style un peu rigide, un petit peu dur, comme plus récemment Dante's Inferno ou même God of War. God of War est un petit peu plus varié au niveau des combos, mais on a, vous voyez, ces combos assez rigides, vous n'avez pas tellement de variété. Le 2 était un petit peu plus flexible et encore pas grand chose. Le 3 change radicalement. Déjà la première chose, vous avez 4 styles. Au final, vous en aurez 6, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a 2 qui se débloquent pendant l'histoire, donc on en reparlera. A la base, vous avez le Trickster, le Swordmaster, le Royal Guard et le Gunslinger. Pour ceux qui ont joué au 4, ce sont les 4 styles qui ont été repris dans celui-là, les deux autres étant passés à la trappe. Ce sont donc les 4 styles de base. Chaque style en fait a sa particularité. Si vous réglez votre manette, vous verrez, il y a une attaque, une touche, qui est marqué touche de style normalement, je ne sais plus exactement comment ils appellent ça. Donc pour moi c'est la touche carrée, vous la mettez où vous voulez. Et cette touche va faire une attaque qui dépend du style et de l'arme que vous avez. Si vous êtes en Trickster, vous faites la touche de style, Dante va faire un dash dans la direction où vous allez. Et ce dash vous rend invulnérable pendant que vous le faites. Vous avez quelques frames d'invulnérabilité, c'est un style pour éviter les attaques. Sachant que vous avez toujours la roulade et le saut, hein, ça change pas. Mais le Trickster est plus fluide et il permettra, quand vous l'aurez amélioré, de faire des dashs en l'air, ce qui augmente grandement la vitesse et la mobilité si vous voulez éviter les attaques. Le Royal Guard, c'est un style très compliqué à utiliser. Je vais l'utiliser dans la prochaine mission pour vous montrer, donc c'est pas spécialement glorieux. C'est un style que je ne conseille pas pour les débutants. Et, bon, et pour ceux qui n'ont pas joué depuis longtemps non plus, hein, c'est un style en fait, où quand vous appuyez sur la touche, Dante se met en position de garde. C'est génial en soi, sauf que même si vous êtes en garde, vous allez prendre des dégâts très légers. Si vous voulez entièrement bloquer l'attaque de l'ennemi, il faut appuyer sur la touche de garde au moment exact où l'attaque arrive sur vous. C'est très compliqué, il faut connaître les timings, donc si vous n'avez jamais fait le jeu, évidemment ne prenez pas ce style. La plupart des attaques ne cassent pas la garde, mais il y en a certaines qui cassent la garde. Alors, sauf quand vous faites un Royal Guard, c'est-à-dire que vous bloquez juste au bon moment. Donc là, dans ce cas-là, ça casse jamais. Mais si vous restez sur la touche de garde, vous allez quand même vous prendre des coups. Donc c'est très compliqué au début, je vous le conseille pas. Pour les débutants, moi je vous conseille Trickster. Même si, du coup, il vous permet pas de faire des gros combos, il vous permettra de bien esquiver les attaques. Gunslinger, donc Gunslinger c'est pour faire des attaques avec les armes à feu,
par exemple avec les pistolets, vous pouvez tirer, il croise les bras et il tire devant beaucoup plus rapidement, et surtout vous pouvez tirer dans le dos ou sur le côté tout en tirant devant. Ça rajoute un peu de style, ça c'est pour la classe, c'est ce que j'ai utilisé à la mission 2. Quand vous êtes en l'air également, avec les pistolets, il fait une vrille en redescendant. Donc bon, là c'est surtout de la classe, et puis ça reste quand même pratique. Et le Swordmaster, moi c'est ce que j'utilise quasiment tout le temps. Là cette fois-ci c'est des attaques spéciales à l'arme blanche. Donc c'est très pratique parce que les armes blanches c'est ce qui fait quand même le plus mal dans le jeu. Et ça vous permettra de faire vraiment des combos assez sympas. On va y venir plus tard, mais j'utilise du jump cancelling, et ça c'est quelque chose qui en Swordmaster donne des choses vraiment sympas à voir. Mais ça on va y venir plus tard, et c'est pas vraiment pour les débutants, c'est plus pour les joueurs un petit peu expérimentés quand même. Donc voilà, moi j'utilise le Swordmaster. Autre particularité du gameplay qui change du 1, dans le 1 vous aviez Alastor et Ifrit. Dans le 2 il me semble que vous avez que des épées, qui sont pas trop foulées, des épées différentes mais que des épées malgré tout. Dans le 3 vous avez quand même une bonne variété d'armes, vous aurez une épée, vous aurez une espèce de nunchaku, triple nunchaku, je sais pas comment décrire ça, vous aurez des points, enfin un peu comme Ifrit, des pugilas, et d'autres armes que j'oublie encore. Et vous pouvez choisir deux armes, alors deux armes blanches et deux armes à feu. Donc là pour l'instant j'ai le pistolet et le fusil et que l'épée. Mais après en fait vous pouvez soit au sablier, soit au début d'émission, choisir deux armes. Et vous pouvez switcher pendant les combos en faisant R2 pour changer d'arme blanche et L2 pour changer d'arme à feu. Donc ça permet de faire des choses très variées et de changer radicalement votre style de jeu. Vu qu'il y a quelque chose comme 5 armes blanches, ça peut vous donner vraiment une variété de combos très très sympa à regarder. Donc moi je vais au maximum essayer de varier les armes que j'ai pour vous faire des combos un petit peu différents et vous montrer ce qu'on peut faire, même si je suis pas spécialement expert. J'ai appris le jump cancelling sur DMC4, je n'en ai jamais fait sur le 3, malgré tout vous avez pu le voir, je me débrouille pas trop mal. Easy, Fido. How about I take you out for a walk? Come on, puppy. Let's go. You'll regret this, you worm! It's showtime. Come on! On reviendra donc sur le jump cancelling un petit peu plus tard, puisque là on va surtout parler du boss. Donc, Cerberus, premier boss du jeu. Un boss, c'est difficile à dire s'il est simple ou pas. Honnêtement, si vous débutez sur le jeu, c'est vrai que c'est un boss assez difficile. Donc le but du combat, il est simple, hein. Il faut frapper ses trois têtes, ses deux pattes, sachant que les têtes prennent plus de dégâts. L'intérêt de frapper les pattes, c'est que vous lui faites des dégâts et vous voyez, ça le stun et ça le met au sol. Donc il faut surtout faire attention à ses attaques. Il est forcément dans le fond de la salle, car il est enchaîné, mais il peut par moment vous charger donc, et vous attaquer. Et il fait également des attaques à distance. Donc la prudence voudrait qu'on reste à distance et qu'on tire au pistolet. Néanmoins, comme je suis en Swordmaster, et vous serez certainement vous aussi, moi j'utilise le Swordmaster. Et j'y vais et je lui balance des attaques. Je ne sais pas si on peut faire du jump cancelling sur lui, les experts me le diront peut-être mieux. Moi j'ai pas trop réussi parce que je pense qu'il est légèrement trop éloigné pour qu'on le fasse. Néanmoins, je vous l'avais vu juste avant le combat, j'ai pris le double saut, ce qui vous permettra de rester en l'air beaucoup plus longtemps, bien plus que dans le 1, puisque dans le 3, j'ai oublié de le dire, mais c'est aussi la grosse particularité, c'est cette possibilité de faire des combos en l'air, de frapper en l'air, ce qui n'était pas possible dans le 1.
et je ne crois pas non plus dans le 2, à part quand vous étiez transformé, il me semble. Donc voilà, évitez cette charge, donc évidemment, là c'est une petite erreur de ma part. Le boss n'est pas extrêmement difficile en soi, mais il fait des dégâts assez élevés. Et c'est vrai qu'au début du jeu, bah, vous n'avez pas beaucoup de vie. Donc c'est pas forcément très simple. J'ai oublié un détail au début du jeu, je vais en parler maintenant du coup. Et ceux qui veulent avoir le platine, il faudra sûrement recommencer. Au début, on vous a demandé orbe jaune, enfin on vous a demandé jaune ou doré. C'est le système des orbes dans celui-là. Si vous choisissez jaune, c'est le système de Devil May Cry 1 et du 4 et du 3 à l'origine, parce qu'à l'origine vous n'avez pas le choix, qui consiste à dire si vous mourrez, vous pouvez utiliser une orbe jaune pour revenir au dernier checkpoint, et si vous refusez, bah, vous perdez, vous recommencez la mission. Et vous pouvez avoir jusqu'à 99 orbes jaunes. Les dorés, vous pouvez en avoir 3 seulement, donc maximum 3. En revanche, quand vous l'utilisez, vous ressuscitez directement là où vous en êtes. C'est-à-dire vous ne revenez pas au checkpoint, vous continuez le combat comme si de rien n'était. Donc ça c'est la particularité, et le trophée demande de jouer en jaune évidemment, puisque c'est ce qu'il y a de plus difficile. Parce qu'avec les dorés, si vous mourrez et que vous ne l'utilisez pas, vous revenez au checkpoint également. Donc c'est évidemment beaucoup plus simple, parce qu'en fait vous n'avez jamais recommencé la mission. Donc pour les débutants, vous pouvez faire en doré. Pour ceux qui veulent un petit peu plus de défis quand même, jouer en jaune, parce qu'en doré c'est vraiment pas intéressant pour le coup. Et donc ça terminera cette première vidéo, et on va enchaîner sur la mission 4 dans la prochaine. Je vous laisse la cinématique et je vous dis à plus. Who knows? I'm not even sure myself. Regardless, you have proved your strength. I acknowledge your ability. Take my soul and go forth. You have my blessing. Better and better.